Toi, dès qu'il y a de l'eau, de la glace, ou je sais pas quoi, ça y est, on laisse déjà tomber son grand-père, on fait, hey, ta canne là, c'est pas une canne à pêche, c'est une canne de marche. Et de toute façon, il n'y a pas de poisson. Vous oui. Ah, qu'est-ce que t'en sais, comme c'est profond. Il n'y a pas d'écrevisse à regarder? Mais ça se voit. Ça se voit quoi? Il n'y a rien. À part des cailloux. C'est parce que t'as pas soulevé des rochers, t'as des écrevisses en dessous. Ouais, mais j'ai la flemme. Ça commence fort. Qu'est-ce que tu fous, Alexandra, à chercher dans la boue, là, de la bouillasse? Je ne sais quoi. Tu peux nous dire? Tu fais du bruit de quoi? De bouillasse? Ça fait quel bruit, la bouillasse? C'est marrant, ton truc. C'est la chasse. Hein? C'est de la chasse. Je ne crois pas, t'as dit ça à l'écran. Oui, T'es et alors? pas honteuse? C'est de la chiasse de sapin alors. Le ridicule ne tue pas, sinon je serais déjà mort. Joli. Et c'est dommage que je suis en train de filmer, je t'aurais applaudi, mais si j'applaudis, je lâche la caméra. Ouais, c'est con ça. Quoi? J'adore, c'est derrière la caméra. Ouais. C'est un film muet que tu fais ou quoi? T'es bien azimuté quand même. Ça y est, on l'a, vous avez vu, Coluche? Non, quoi? Comment? Quoi? Comment se fait-il? Ce fait-il? Ouais. C'est beau, Parce toi. que c'est festif. Fais voir. Ah oui. Festif. Alors Alexandra, elle est en train de déboucher, pas les chiottes, mais en train de déboucher un ruisseau. Vous voyez le bout du bâton là? Parce qu'il y a des feuilles, il y a des racines de partout, l'eau ne peut pas s'écouler. Donc elle, voilà, c'est, on appelle ça la casseuse de barrage. Regardez, l'eau commence à s'écouler, c'est bien. Ah, voilà. Voilà, là ça s'écoule. C'est bien Alexandra, tu es en train de sauver la nature là. Tu nous fais un bordel dans la nature, c'est rien de le dire. Il faut le voir pour le croire. Il tombe de la pleu. Il tombe de la pleu. Donc là, ça coule. Ça coule. Coule. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Bon, après, il va falloir que je casse ici, mais ça risque d'être pas mal. Bon, on marche ou on marche pas là? Oui. C'est parti, mon? Bon. C'est toi qui me le demandes, les grosses montées comme ça. On vient quand même de se faire une sacrée montée. Ah, les petites là. Comparé à celle où tu me fais monter comme ça, limite, il faut sortir les pioches. Oui, mais attends, là, c'est la rando du matin, ma grande. Tu vas voir cet après-midi. J'espère que c'est une rando à la fin. C'est une rando à la con cet après-midi. Oui, On peut refaire les 34 km si tu veux. Hein? Non. C'est vrai? Pourtant, il était à la con celui-là. Ah oui, j'ai adoré, mais ça m'a fait mal au bras. Où on se fait une partie de cet après-midi du parcours à la con, mais on va pas jusqu'au. On revient par le même parcours à la con. Ouais, mais vu que c'est humide, la planche, elle risque de glisser. Qu'est-ce que tu ferais pas pour pas faire 34 km, toi? Hein? Eh ouais. T'avais réussi ton stage des forces spéciales. T'as eu ça? Moi qui est en train de jouer avec la boue. Ah ben c'est ça. Mais là, si tu veux, là, avec les bruits que tu fais et les trous du cul que tu me fais dans le sol, on peut tourner un film de cul là. T'avais les vidéos avant Marc Dorcel, c'est des vi vidéos de cul. Maintenant, ben t'as des vidéos ACB, ça s'appelle. Écoutez bien, hein. Ah, dis donc. Le pire, c'est celui-là. Alexandra, tu fais que des conneries. Tu vois, ça continue, hein? Bon, je t'avais dit que à partir de chemin des Américains, on retournait. On rejouait dans la boue. Non! Sur toi. Bah. Quoi? J'adore. C'est pas ça, t'as la cuisine à faire maintenant. L'autre, oh, j'aime bien quand tu fais ta star. Refais-le-moi ça. Non, je faisais pas ma star, elle avait vraiment mes cheveux qui me faisaient Mais chier. non, mais tu nous as fait la star là. Non, c'est pas vrai. Bon, hé, papy, la faim. Il y a encore une heure de marche. Devant moi, bien sûr, tu as passé devant moi.
Mais tu m'as laissé discuter tout seul. Tu étais derrière moi. Donc je t'expliquais un truc sur le temps, machin, ceci, cela. Et j'entends plus rien. Pas de réponse. Et devine quoi? Quand je me suis retourné, il y avait plus personne. Parce que tu as abandonné ton grand-père. Oui, toi. Non, c'est pas possible. Si. Tu n'as pas fait ça quand même. Si. Non. Si, t'es une vilaine fille. Tu sais que ça mérite quoi? Tu sais ce que ça mérite? Vas-y. Une fessée déculottée. Hein? J'allais dire maltraitant sur mineur, mais je suis plus mineur. C'est maltraitant sur majeur. La chiasse à toi toute la journée. Salope. Bon. Alors, regardez là, elle est sur un monticule, elle est en train de laver son bâton. Donc, je lui ai proposé un duel dans l'eau. Dans l'eau, j'ai dit. C'est sous l'eau que ça se passe. C'est un duel de ruisseau, ça s'appelle. Aïe! J'ai mal! Alexandra, t'es méchante avec papy! Mais tu serais pas en train d'essayer de m'arroser. Je le crois pas, ça. Pas toi. Pas toi, Alexandra. Pas ma petite fille, comment tu m'as dit que t'étais pure et innocente? Tu me le jures? Ah, fais gaffe, t'as une couronne qui pousse de saint au-dessus de toi. T'es une sainte. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est... Je t'adore. Alors là, c'est la rando de l'après-midi. Donc l'autre, ma petite fille, il faut lui donner un nom à l'autre, n'a pas arrêté depuis ce matin. Donc ce matin, c'était dans l'eau, c'était dans la boue. Et cet après-midi, bon, elle est en train de creuser, je ne sais pas pourquoi, on est sur un sentier de muletier. C'est toi qui as failli te casser la gueule. Ah, donc oui, tu es en train de refaire la route pour moi, c'est ça? Voilà, je vous montre. Au moins tu verras que c'est ici que tu t'es pété la gueule. Voilà. Alors on va l'exprimer autrement sur le film. Voici l'endroit, très chers amis, où j'ai failli choir. C'est beau ce que j'ai dit? Oui. Voici l'endroit où le très cher papy a failli se vautrer comme une grosse merde. Bon. Je n'ai point vu sa chute. Non. Je n'ai point vu sa chute et n'a pas eu de réflexe. C'est vrai. J'étais comme ça. Et il est passé là. Et j'ai failli me rattraper à toi, puis j'ai dit non, tombons tout seul. Non. Il a fait. Allons vers l'eau. Et moi j'étais comme ça. Voilà. C'est compliqué, hein. Hein? C'est compliqué, hein. De la terre moulue le truc. Forcément que tu t'es pété la tronche. Moi je pensais que c'était du solide. Mais non, c'est de la terre moulue, même là c'est plus solide. Regarde. Là, bon, arrête de creuser parce que là tu vas arriver à la plage. Hein. Oh vache. Ah oui, là elle a entamé les grands travaux là. Donc voilà, je vous montre où j'ai failli tomber. Bon, avant c'était rempli de terre. Au pire, je me serais embranché sur l'arbre là. Ouais. Et au mieux, j'aurais été nagé dans. Allez, il y a combien? 50 cm d'eau. Même pas, on voit les racines au fond. Voilà. Ah, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu fais de beau là, Alexandra? J'enlève la mousse de la pierre. La mousse de la pierre? Ouais, plein de mousse. Mais pourtant, on dit toujours pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Qu'en penses-tu? Ben, moi je te le dis. Je ne connais pas. Et au moins, l'eau elle ruisselle dessus. Et ça fera de l'érosion. Ça veut dire une pierre qui roule n'a pas le temps d'avoir de la mousse sur la gueule. Elle roule pas, elle va avoir du mal. Hein. Et ta grand-mère, elle roule? Quoi? Un problème. Hein? T'as un problème. Et tu me parles autrement. Hein? Ça fait du bien, hein? Ça y va là, votre cas? À la russe, là, ça y va là, votre cas? À vous, t'as essayé de me faire marrer pour que je crache tout. Ouais! Exact, t'as tout compris. Oh, c'est marrant. C'est con d'être intelligent. T'as vu, j'ai dit une belle bêtise là. Ouais. C'est con d'être intelligent. T'as vu ça?